bandi tombé en babala la police nan au cap bandi ça ki moun yo konnen en pile parce qu'elle te kon fait en pile vieza ka nan cap haïtien. Et bien la police là voye monsieur nan pays sans chapeau. Et puis yon l'autre bord nan kwa démission là sot gagné en pile coup de balle côté gagné yon bandi là ki policier yo crible monsieur ak balle pendant gagné plusieurs l'autre ki yo même tout fait vrai pour pays sans chapeau dans la Tibonite situation pour que j'aime fin gabon avec ti messieurs ça vient yo qui yo même pas suspendre affronter face avec et adversaire yo et bien là bagaille yo qui yo même continuer à vin pi grave c'est avec un nouvel ça yo n'a commencé vidéo nous pour jeudi hein quel que soit côté rob gardiak tendez nous ça dépend de qui les fait dans réveillon n'a dit bonjour comme ça tout li capable bonsoir et puis bienvenue sous chaîne qui là pour informer là pour une nouvelle vidéo. Je nous dis lien mes amis, n'a commencé avec nouvelle yo sous ça qui passé au Caplan côté dans cap haïtien là, gagné Doudou qui lui-même c'est un bandit moun yo konnen, monsieur était passé 6 l'année dans prison civile au Cap pour divers actes malhonnêtes et bien monsieur là tombé en babal weekend ça. Selon nouvelle qui vient après l'amour bandit ça et bien monsieur son nègre qui te prend plaisir dans braquage dans poignard des moun et puis il était dans vieille association malfaiteur. Monsieur tout c'est un bandit qui lui-même te gain contrôle zone ça yo tankou dans Zido ak la violette toujours au Cap et bien là monsieur tombé en babal la police. Monsieur qui était habitué et sous zone la violette côté il t'a fait en pile désordre et bien la police là t'a neutralisé individu ça après en pile courri qui t'a gagné en pile balle pété finalement monsieur lui-même li recevoir balle li blessé mortellement j'ai mon habitué dit là et puis ça autant dire monsieur fait vrel pour pays sans chapeau. Et puis n'a quitté au Cap et pas seulement au Cap non ben dit tombé et bien là quitte nous dit on a quoi d'émission bagaille pas douce dit tout côté la police vide balle sous base chien méchant et puis gagné plusieurs nèg qui ont même tombé et bien weekend ça plusieurs chablin de la police t'ai fait route quoi d'émission et puis pendant chao t'a pas avancé dans route là te gon bandi monsieur qui lui-même te posé avec gros manche long ni nan mel et puis monsieur yo wè monsieur sans prendre temps yo mette pied yo a terre et puis sortant de ya yo vide balle sous monsieur yo crible monsieur ak balle et puis sortant de ya monsieur blessé mortellement et puis fait vrel pour pays sans chapeau après pile coup de balle ça yo te mette pied ya te gagné yon band l'autre groupe nèg qui fait partie des groupes gang monsieur qui yo même te tande pile balle et puis mette pied yo a terre pour vin ne fait face carré avec la police et bien pas ba nous menti policier yo là nèg cha yo là pété balle sous ti monsieur yo et bien selon détail yo plusieurs nèg tombé dans base chien méchant donc plusieurs nèg là a tombé nous pas gen détail sur quantité exacte là mais n'a venir avec plus détail pour dans une autre vidéo parce que bagayo t'est vraiment mangomé. Nouvelle yo a poursuivre et bien quitte nous dire la presse haïtienne en deuil parce que là la presse a crié la mort Marc André Odige qui lui-même c'était directeur information dans radio nationale d'Haïti et bien c'est une perte énorme pour la presse haïtienne côté là gagné Marc André Odige je nous dis lien qui parti quitter nous et bien nous même dans main sac info n'a voyé sympathie nous bail famille ak zami proche journaliste ça qui lui-même tap dirigé information yo dans radio nationale condoléances avec toute famille ak zami proche gros journaliste si là. Nouvelle yo poursuivre sous chaîne qui là pour informer ou là kou elle là n'a quitté Haïti pour nous aller dans pays Venezuela côté Venezuela tombé dans une crise politique suite avec annonce controversée dans résultat élection présidentielle yo dimanche dans la soirée côté Conseil national électoral la CNE yo même yo déclaré Nicolas Maduro vainqueur pour un troisième mandat avec 51.2% suffrage soit environ 5.15 millions voix cependant gagné chef opposition Maria Corina Machado qui revendiquait victoire candidale El Mundo González Urrutia avec 70% en voix. Yon affirmation que lui-même li défend pendant le tenant une conférence pour la presse dans Caracas. Eh bien, li défend ça. Pour faire qu'on est avec 70% en voix, eh bien, c'est El Mundo González Urrutia qui t'a gagné avec 70% en voix. J'en ai dit, pendant Maduro lui-même, li menace Venezuela de yon bain de sang s'il pas bon.
Macron. Eh bien là, Nicolas Maduro menace Venezuela de yon bain de sang s'il tape 10 pouvoir. Bagayola qui change phase dans pays Venezuela après résultat élection sa yo kote gen en pile bricouri, en pile palais, en pile. OK, ça n'a pas gardé sur écran là, nous dans zone qui côté sous Monaco. Eh bien, gon citoyen là, gon nèg là. Est-ce que me garde citoyen? Nous connaît que Muscadin monsieur lui-même monsieur Gonjean le fonctionnait. Gon nèg qui dit Antonio Baron parler toi, bien faut nous faut gagne discours chef là, ouais pas. Ça de bien. Nous connaît Muscadin lui-même, monsieur Gonjean il fonctionnait en bas. Eh bien, qui s'est passé, il y a une plainte qui était déposée pour monsieur. Elle me dit plainte là, comme si on nèg t'a veillé. Monsieur le bon Doni Bosier, monsieur c'est un nèg comme si il a habitude à kidnapper moun. Monsieur gen l'air, c'est qu'on a frappé dans zone du parc. Monsieur dit qu'on a frappé dans plusieurs zones en bas. Eh bien, Muscadet est mettant tête sur monsieur. Et au final, bien bonheur matin, hein, monsieur joindre la molle dans zone du parc, localité sous Chalon. Dans le département des NIP, et c'est commissaire Miragouane, Jean-Ernest Muscadin qui frappait monsieur. Parce que qui s'est passé? Monsieur, malgré monsieur Genlé, par contre, si monsieur était fait prison déjà, ou bien s'ils sont évadés, c'est pourquoi ça t'a parlé tout. Donc, monsieur Genlé, il pat, jambli et métier, li, où il était en prison. Et monsieur Genlé, il était 20 outils, mais il pat blié métier. Parce que depuis là, monsieur libéré, semblait, depuis le ça, depuis le fait minuit, machine, motocyclette, pas qu'à passer dans zone qui est bon coma. Et pour faire zone ça, eh bien t'assembler monsieur gèt en tabli base li gon gang kap opéré dans zone là. Eh bien la société bien bonheur matin, il dit non, hier soir même dans la nuit là, Muscadin t'a commencé à gien antenne sous monsieur pour qu'on t'a passer jusqu'à ce que bonheur matin pendant journée, bien bonheur. Eh bien yo mettez mais sous monsieur. Par exemple, gien information qui fait comprendre que depuis nan nuit lundi 23 pour entrer mardi 24 là, et ben monsieur te gen prend plaisir pour freeze moun. Par exemple, gen un moun monsieur te freeze qui descend sous baou qui te gen 4 moun là-dedans pendant moun yo t'a rentré en Port-au-Prince. Et c'est dans coup de cadre ça gen le commissaire Muscadin qui te gen antenne sous monsieur, et ben monsieur gen le pral tombé. Et effectivement, c'est pas comme si faux film parce que monsieur gen des images qui prouvaient que monsieur gen moun que le kon kidnappé sous téléphone monsieur côté il pointait zam sou moun yo pour voyer bay famille pour mander l'argent. Yeah, gen image monsieur là ka bouteille biel nan men ka frappé et gen plusieurs moun qui te kidnappé. Par exemple, gon moun qui te kidnappé pour nante bay $500,000 haïtien pour te libérer. Eh ben bah yon ti crasse mélangé, eh bien monsieur pape jamais fait bah ici encore parce que il y a 2 ans de cela monsieur était kidnappé une dame et image ça est disponible. Eh bien monsieur a croisé à commissaire Muscadin, eh bien j'en connais déjà des bons nexus ça y fait comme activité la difficile pour croiser Muscadin pour rester encore. OK, parce que il y a un dossier qui t'est dressé contre monsieur pour ça fait kidnapping. Et c'est pas un seul, c'est plusieurs cas d'enlèvement que non monsieur était cité là-dedans yo. Et au final, général Doni Bosier, monsieur était là le parle encore. Et c'est commissaire Jean-Ernest Muscadin qui Jean le remédil département ni plan l'a toujours été cimetière pour tout bandit cap fréquenter zone ça. En tout cas, Muscadin, moun nan zone nan, qui connaît justement qui sa bay lan yi, mais selon des images qui partagé, monsieur gen lè pa tanti garçon wawot, parce que gen image qui prouve que côté monsieur kidnappé moun et puis mette zam nan tête yo, barre visage yo pour voye bay parent pour mande l'argent et gon ka ki ote soupçonné monsieur côté le demandé côté gon dame gon moun ki que monsieur te kidnappé et ote mande $500,000 haïtien pour d'amener pour moun sa te rejoindre libération. Et ben malheureusement, monsieur était là le parle encore. Et ben voilà. Depuis c'est route crochou prend,
qu'on seul bah capte nous c'est la mort li pa l'autre. OK.